Bonjour, je vous propose une tarte gourmande au chocolat. Donc il vous faut 4 œufs, 3 cuillères de sirop. Alors moi j'ai un sirop d'orange, vous pouvez aussi bien prendre un sirop de canne. 140 g de beurre, 200 g de sucre, 150 g de chocolat, 3 cuillères à soupe de crème, une pincée de sel, 8 cuillères à soupe de chocolat en poudre et un rouleau de pâte. Vous mettez votre rouleau de pâte dans un plat et vous le mettez à chauffer pendant 10 à 12 minutes à 150 degrés. Donc votre four, il faut qu'il soit quand même chaud à 150 degrés. Donc là, on va mettre à fondre le chocolat avec le beurre et la pincée de sel. Là, je vais prendre les 4 œufs, je vais les mettre avec le sucre et je vais mélanger pour que ça soit un mélange qui a blanchi. Quand votre mélange est à peu près comme ça, vous allez rajouter les 3 cuillères à soupe de sirop, le chocolat fondu, la crème et le chocolat en poudre. Votre mélange est bien homogène, bien lisse. Vous voyez, ça ne fait pas de grumeaux. De l'autre côté, il n'y a pas de raison de mettre dans le fond de tarte qui vient de pré-cuire. 10 minutes à 150 degrés. Et voilà, votre tarte est prête à être enfournée 30 à 35 minutes à 150 degrés. Après 35 minutes de cuisson, voici ma tarte qui va refroidir et qu'on va bien manger. Allez, bon appétit !